Petit poney, petit poney. Tu es petit, tu es tout gris, petit poney, petit poney. Te balade dans les prés, sans te soucier du temps qui passe. Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Si tu es tout gris, petit poney, petit poney. Tu te balades dans les prés, sans te soucier du temps qui passe. Petit poney, petit poney, petit poney. Bah, qu'à se faire un bon café. D'ailleurs, il devrait pas tarder à commencer à couler. Ou pas. Bon, on va attendre encore. Petit poney. Petit poney. Viens, on va mettre la musique. On va peut-être attendre. Merde, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Estorec. Amica! Va faire les corps. Ok? Bah vous allez faire les corps, vous vous collez bien derrière moi, hein, j'ai les fers, n'inquiète pas. Avec une voileuse, déshabillez-vous. Allez, on y va. Petit poney. Petit poney. Tu es tout petit, tout petit, petit poney, petit poney. Pas dedans les prés, sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney, petit poney. Fraîche et de verglace, parfait pour la balade, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit palais. Non, c'est de la merde. Vous êtes pas sur le coup, vous êtes pas concentré, j'ai des faire. Hein, bon, alors vous rapprochez du micro, vous sortez votre poitrine, hein, et vous projetez les sons. Très important ça. De toute façon, je vais me coller derrière vous, regardez. Comment ça? Vous tenir par les hanches, je me colle derrière vous et je vous ferai un petit signal quand c'est le... qu'il faut y aller. Hein. Faut... Alors on y va. Petit poney. Petit poney. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça le temps qui passe. Petit poney. Petit poney. Après le soleil qui fait chaud, c'est maintenant la nuit qui glace. Petit poney. Petit poney. Petit poney. Petit poney. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Non, c'est pas mal, c'est mieux, mais tu vois, Jean-Marc, tu l'entends, hein? Ouais, ouais, elle est pas sur le coup. Ce qu'on va faire, Jennifer, mettez-vous, j'ai l'impression que vous avez chaud, non? Non, j'ai pas chaud. Mettez-vous, carrément, je crois qu'il faut, bah, hein, il faut vous libérer complètement, qu'on sente vraiment que. Parce que je suis pas content complètement du truc. Mais enfin, on va y arriver, hein? Je vais me caler, tiens. Petit poney. Petit poney. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Je ne sais plus qui est perdu loin de chez toi, la peur te gagne, petit poney. Un petit poney. Comme un tiré, les loups arrivent. En un instant, le temps se fige. Clic, clac. Boum, 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 boum. Un cœur qui bat, les crocs se serrent. Boum, 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 boum. Il pue plus rien. Il pue plus faim. Quoi? Le loup a avalé petit poney. Oh. Quoi? Il est mort? Mais évidemment qu'il est mort. Tu penses? Ça te fait marrer? T'es con en fait. Mais elle est trop naze ton histoire. Excuse-moi, je te crache à la gueule. Putain, mais. Non, j'y crois pas, tu m'as craché dessus. Hein. Petit poney. Petit poney. T'étais tout gris, t'étais tout petit, petit poney. Bon, elle a fini d'installer ce jeu ou quoi? Allez! Allez! Tu vas y arriver! Petit poney.
Petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Petit poney, petit poney. Petit poney. On est à jour, on est à jour. On va tuer des communistes, on est à jour, on est à jour. Bizarre, le bot est pas passé encore. Hello? Bâtis-nous! Bâtis-nous! C'est bâtis-nous! Il est par là, le petit bot, il est ici. Ah ouais, le bot est vraiment pas là. D'accord. Ah, ça me va pas trop, quoi. Ah d'accord, ils sont en maintenance. Ah non! Y'a pas le bot! Y'a pas le bot! Y'a pas le bot! Il est pas là, ce fichu bot, y'a pas le bot! Y'a pas le bas. Y'a rien qui marche. C'est aussi sale, Back in Live. Y'a rien qui marche. Y'a rien qui marche. Y'a rien qui marche. Y'a rien qui marche. C'est un peu comme d'hab, c'est sur Back in Live, y'a rien. Y'a rien qui marche. Pour aller parler à Talia. Ça doit être elle. Non. Pourquoi j'ai l'impression d'être petit? Ah, c'est parce que je suis pas censé être à la troisième personne. Hein. He wants to run while we got real problems. I heard our friend Matthias is locked up in Marquesa's True Yaren Academy. He's a doctor, but they took his fucking license for helping us out. It's like it's a crime to help anyone who's not a true Yaren. And now they're going to fry his brain till he's dry humping Castillo. I would know. They tried that brainwashing shit on me. Paolo won't risk saving Matthias until the heat dies down, but you're up for it. Je peux utiliser moi aussi l'électricité ou pas? Matthias is a fucking saint. Don't let Marquesa break him. C'est le dieu croco. Le dieu croco.
Il y a un croco, le dieu croco, le dieu croco, le dieu croco. Dieu croco, le dieu croco. Il est par là, le dieu croco, le dieu croco, le dieu croco. Petit poney, il est tout petit, il est tout gris, petit poney, petit poney. Bon truc sur la route. Trop bien. On va pouvoir ramasser plein de caca. Passer 8 heures pour aller faire une mission de 4 minutes. C'est parti. Il y a chien qui est derrière moi. What do we have here? Pas ramassé. Alors c'est où? Va chercher. Il y a un chien. Petit poney. Petit poney. Tout petit, tu es tout gris, petit poney. Vous l'avez vu la machette dans la main ou pas? Good dog. Petit poney. Petit poney. Oh. Bah alors. On te voit plus aux soirées. Salut le fermier. Salut le fermier. J'espère que tu vas bien, mon petit fermier, mon petit fermier. Fermier. C'est le plus important. La libertad. Fatigué. En fait, je crois que je commence à en avoir marre de ramasser le caca. Ouais, j'ai déjà pas mal nettoyé la map en fait. Et je pense que je vais pas tarder à m'arrêter de ramasser tous les caca qui traînent quoi. Non parce que bon, ils sont bien rigolos tous autant qu'ils sont mais... Y'a pas une piste d'hélico là? Non y'a que le voiture. Ah, il est un peu comme tous les Far Cry en fait. Il a ses bons côtés et malheureusement, il y a un moment où en fait, enfin moi en tout cas, je commence à en avoir marre. Et puis je suis pas très ouvert LGBT donc c'est vrai que moi les tanks roses perso, je m'en fous. C'est rigolo hein, mais voilà quoi, un tank rose en fait, c'est marrant que quand tu quand t'enfonces la tête d'un gros connard, quoi. Le reste du temps c'est banal. J'avoue, je suis pas fan du rose en fait. Cours, cours! Pas assez vite. Smart dog.
crois que l'ennemi m'a repéré. Je pense qu'il est possible que l'ennemi sache que je suis dans un tank. Non, c'est bon, il m'a pas encore repéré. Continue à venir tout droit sur moi. Tranquille. Petit poney, petit poney, il est tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. C'est vrai qu'il n'y a pas de tutu de fils de pute sur les temps. Fuck yes, should make this easy. No, listen to me. The army is here. There's going to be a fight. Then get in there and get Matthias on before the army storms the place. That's what guerrillas are about and shit. Il est très méchant. Tu brûles ? Fais toujours ça la première fois. Après c'est pire. Oh merde. Fuck you Castillo, mais c'était pas Castillo sur l'affiche en fait. Locked up tight. Just hang on. Twisted. Viva Libertad. I can't believe Dahlia went through all this. Mais all quoi? Parce que en fait pour l'instant on a rien vu hein. Matthias, you don't look like a doctor. What, these scrubs don't scream physician to you? Talia sent me to break you out. Fantastic. One problem? If I let go of this artery, he dies. I need a trauma kit. Guards keep the supplies locked in the pharmacy in the other building. I'll go get it. Rapido, por favor. Ça va? Tu me dis hein, si t'as des ordres à me donner. Oh
Petit poney. Petit poney. Tu es tout petit, tu es tout gris, petit poney. Petit poney. Ok. Bon, j'avais pas vu les fils. Pas grave, ils verront pas les balles que je leur mettrai dans la tête. C'est bizarre, la machette d'habitude elle reste pas enfoncée aussi longtemps dans le bras. Là ça décolle plus longtemps que d'habitude. Mathias, have your kit. Get back fast. Soldados are at our door. Guerilla, where's that kit? On my way. Ah, ah. Dis-moi si je vais pas assez vite. En fait, j'avais déjà libéré celui, hein, c'est ça. C'est pour ça que c'est si facile. Je vais trop vite pour le scénario. I need to stabilize him, Danny. Keep the soldados off my back. Crossing guns for reinforcements. Nobody gets close. Nadie. More incoming. Comment ça, il prend mon tank? Non mais ça va pas. T'as cru chez mémé, toi. Tu trouves que c'est pressant là? Franchement, on a beau le temps. Hein.
hélicoptère. Vous inquiétez pas. Je connais. Je connais. You did good, Danny, from Libertad. You've done this before, no painkillers? Give me a hand. Only true Yarns get proper medical care. The rest get me. When I did Paolo's top surgery, there was no anesthetic. Black market hookup fell through. Even then, Paolo didn't blink. Shit. Welcome to Castillo's paradise. Tell those lovebirds I'll help after I scrape up some antibiotics for a friend. Mastectomie, c'est pas quand tu t'en fais enlever la poitrine. Thanks to you. Ça t'est fait enlever la poitrine sans anesthésie. Ça doit être un truc assez impressionnant. Ouais, c'est ça. Dalia, I got Matthias out. Gracia. And Paolo will thank you. When he finds out. Danny, you're one of the good ones. Plenty of good ones in Libertad, you know. I think you fit right in. Okay, slow down, Danny. If we break more chains, show Marquesa and Castillo that they can't keep us down, maybe I'll consider Libertad. Maybe. Casse-couille. Putain de casse-couilles! Jamais content, ils arrêtent pas de casser les couilles. It's about Castillo. It's also about Libertad. It's about everything. Okay, Clara, shoot. No, not like this. Come find me at the Esperanza School for the Lost. I think you know the place. Pourquoi? Say that. On my way. Danny, make sure you're alone. No Juan. This is just you and me. Watching you. Boom boom. Go get them, boom boom. Il me voit pas vraiment. L'eau de Clara augmente la taille du chargeur. Toi, un ennemi à la tête, une charge de supremo. Ouh. D'accord. On va go. Allez, boum boum, on va à l'orphelinat. Ta-da-da-da. Good perro. Tu crois? Qu'est-ce qui se passe? Ça vous des ennemis? Hola. I heard the crazy fucker who owned the Grand Finca Power Station finally died. Check it out. Maybe he left something behind we can use. Gracias. Come back, Boom Boom! Petit poney. Tu es tout petit, tu es tout gris. Petit poney. Petit poney.
Donc t'es trop con. Petit poney. Et tout gris, et tout petit, petit poney. What do we have here? La viande de sac. C'est bon. Tu fais mijoter ça avec des petits haricots. That's my dog. Hey, guerrilla! Heard you were in my neighborhood? Coño, word gets around. Come see me when you have a second. I have a special request. I'll send a pic so you can find me. Binga. I love that dog. Petit lapin, petit lapin. J'ai tiré 20 balles, mais tu es mort, petit lapin. Petit lapin. Tu te baladais dans les fourrés, sans te soucier du chasseur qui passe. Petit lapin, petit lapin. Un peu d'air frais et de verdure, c'est aussi ça, la vie qui passe. Petit lapin. Petit lapin, petit lapin. Good dog. Now what do we have here? Plein de caca. Sanida. Incredible. Smart dog. Le cheval a préféré se barrer dans l'eau. Lapin, petit lapin, petit lapin, petit lapin. Tu es tout petit, tu es tout gris, petit lapin, petit lapin. For me. Gracias, Oluas. Esperanza School for the Lost. Full circle, eh, Clara? Ugh, more bad memories than good. On rentre dans ce truc moche. Il y a plein de barrières, il y a plein d'autres pics. C'est pas très moche. C'est très très moche. Et une voiture bien bien riche. Qui est garé devant les portes. Faudrait regarder. Mais d'abord. Il y a le trésor. Il y a le trésor. On verra après pour voir si c'est par là ou là. Gracias. Qu'est-ce qui va se passer?
Ah, on a perdu la couleur. What are you doing? It's my papa's. I borrowed it. Ya tu sabes. I'm done, Talia. No more secret meetings. No more protests. No more friends that just disappear. He's too strong. So you're gonna just march into the Capitolio and put Daddy's gun to Castillo's head? No. I'm going to build an army. And then I'm going to put Castillo in the ground. Come with me. You don't think I can do it? I've seen this, Talia. I've dreamed it. My mama used to tell me, save the dreams for the rich, fair-skinned Yarens. Us? We don't get to dream. We survive. You're not going to free Yara by killing Castillo, rich girl. You have to convince Yara it wants to be free. For all of us. Clara. Clara. You wanna tell me why you dragged me back to my old orphanage? He's losing, Danny. Soon we march on the Capitolio. And now, Castillo wants to meet. You're joking, right? I want to know what you think. You've been face to face. I think Castillo's always two steps ahead. And he's not going to stop unless we put a bullet in his skull. And then what? We kill his kid too? You had your chance. Why didn't you do it? Juan had solid intel there was a Castillo up in that hotel. He just had the wrong one. You let his kid live, and then Castillo let you walk away from a death sentence. But the thing is, Danny, you were right. If Yara is going to have a future, his people, our people, we need to coexist. And the point was never to kill Castillo. It was to free Yara. For all of us. You had already made up your mind, hadn't you? Yara needs a leader, Clara. Not a martyr. Viva Libertad, Danny. On va dire que j'ai pas les couilles du cadeau de Clara ou quoi. Pareil, j'ai pas trop compris cette histoire de... On va pas tuer le méchant. Moi je suis pas trop d'accord. Je viens de le dire, là comme ça je suis pas trop d'accord. De nos hommes, mais c'est pas grave.
Bandito. Voilà. Castillo's army captured one of ours. They're being held at La Divinidad Cathedral. Free the church and save our guerrilla. Appreciate it. Ouais, c'est là. Tell me what you know. Danny, there's a supply drop coming in. Get to it first. We could use those supplies. Muchas gracias. Malheureusement, je n'ai pas le temps. J'avais piscine ce jour-là et le lendemain, ça va être compliqué, vous comprenez, on m'a convoqué pour me dire merci et me donner un flingue. Jusqu'à là, ça allait, et en fait, je m'en battais les couilles, du coup, fâché, et du coup, je m'en bats toujours les couilles. De toute façon, c'est pas comme si on m'avait laissé le choix pour le gamin. Autant pour le l'américain, visiblement, on avait le choix. Et encore, je suis pas sûr. Hein. Ça reste à condition, parce que j'ai pas essayé l'autre. Et tous ceux qui pourront nous le dire, c'est le pâté panère. Pâté panère. Pâté panère. Tu es tout petit, tu es tout gris, pâté panère. T'es pas né. Dinga. I love that dog. Our mission is to bring equality. Honest. Dépassé. Que techniquement parlant, ils savent toujours pas que je suis là. Bon, maintenant ils savent, mais.
Écoute, petit chien, t'es gentil, mais... C'était pour te faire atomiser par l'ennemi. Vas-y derrière moi. Poney. Petit poney. Petit poney. Ah bon? Voilà, parce qu'il a, il a marqué des animaux en dehors de la base. Pas abusé non plus. Cadio a rejoint la session. Et en quel honneur? T'es comme chez toi, suce-moi la bite. Je sais pas pourquoi je suis ici d'ailleurs. Certainement pour le petit poney. Petit poney. Petit poney. Tu es de pied, tu es de gris, petit poney. Petit poney. Te balade dans les prés, sans te soucier du temps qui passe. Petit poney. Petit poney. Je trouve que dans sa tête là, ça fait. Mais qu'est-ce qui branle? Ouais, je parle le casu couramment. J'ai fait casual 8ème langue. 3ème dan. 12ème spatule. C'est classe, hein. Poney. Petit poney. Bicho, you hear? Oh, comment j'ai mis sa race à Cadio. Merde, il m'a retrouvé! Pigro! Welcome to radio! Ok. Did I ever tell you I love you, Danny? Pourquoi j'ai l'impression qu'il faut réattaquer en. Oh putain, chip! Merde, il a ramassé le flingue, Kaz. Interdit par les conventions du Megève, hein. Petit poney. Petit poney. Tu es petit, tu es tout gris. Petit poney. Petit poney. Bon, voyons si Kaz est plus efficace que le chien. On va laisser Cassio s'en occuper. Ok, j'ai pas résisté. En même temps, il est tout lent, Kaz. Allez, au boulot! Ah, mais oh! Jack, t'as un casque tout chelou, quoi. Bon, bah, si tu veux pas y aller... Oui, j'y vais. Ah.
Quel light. La discrétion dans ton cul. Bah alors. Bah alors. Dans ton cul, j'ai dit. Bonsoir, bienvenue sur le comptoir. Antenna's powered up. Two more to go. Ah non, mais je vais pas le supporter, moi par contre, le monsieur. Je supporte déjà à peine. Tu conduis ou je conduis? Ok, t'aimes les trucs dangereux, pas de soucis. Mètres. Ah, bien, bien, lac. Je crois que c'est par là. J'arriverai pas à mieux de me garer, je pense. Tu veux que je t'ouvre la fenêtre? Bah, Kaz, il va aller garer la bagnole. Ah bah non. Por favor. Ok, Picho. What did you mark? Ouais, je suis sûr que c'est par là. Picho, I'm at the apartments. That place is resolvere to the max. They steal from the grid to live. But one of their control panels is fried. It's cutting off power to one of my antennas. Get on that roof and find it, por favor. Follow my blue graffiti to the control room up there. It's locked. But that never stopped you before, right? Never, Picho. Fuck yeah! Radio Libertad is gonna light up Yara with truth. Par où je dois aller? Trop bien. Putain, je vais m'acheter un fichu hélico moi dans 5 minutes. Bah oui, forcément. Oh, j'ai un grappin. Utilisons le laurier, hein. C'est vachement mieux. Bonjour. Est-ce que vous avez prévu de mettre des méchants à un moment dans le jeu? There's a break.
Moi, je pense que les électriciens m'envient ma technique de réparation. J'ai pas besoin de réappuyer, ça tout seul. Ok. Pourquoi pas. Petit bonnet. Petit Casio. Tu es petit, tu es Casio, tu es petit. Petit Casio. Hola, Danny. Hey. Hola, Danny. C'est pas moi, c'est Casio. Je te promets, l'hélico, c'est pas moi, c'est lui là. Tu vois le mec avec le casque chelou? Ouais, ouais, c'est lui. Hein. J'ai pas dit que je voulais un hélico tout à l'heure. Casio, tu peux le réparer s'il te plaît? Ah, il a pris le nucléarisateur satellite de l'armée américaine. Je suis très classique, moi, tu sais. J'ai un petit fusil à pompe. Et surtout, mon arme ultime, c'est la canne à pêche. Ah bon, je l'utilise pas trop souvent parce que tu peux terrasser une armée avec. By Cafe Taza. Por qué? You sound stressed. My buddy knows this guy who sells calling cards on the corner. And he said Marquesa cut off this other dude's balls for doing a mural without Ministry of Culture approval. Getting cold feet? I will know. Marquesa can fuck off. But if she comes to me, Danny, protect my balls, okay? Va savoir ce que tu fais avec tes balls, moi. Okay. C'est juste graffiti. Mais c'est quoi ce grappin? Ne t'énerve pas, mec. C'est pas bon pour ce que t'as. C'est-à-dire la colère. Faut suivre les graffitis. Alors tu fais comme Casio, oh, putain, putain. Petit poney. Et voilà, il va encore tuer des gens. Il va encore passer pour des irresponsables. Petit bonnet. Petit bonnet. Fucking 2G connection. Ah, et il a dit qu'il fallait faire exploser un truc. Je pense que Casio il va pouvoir sortir le lance kickette. Danny, can you hear me? Hello? Binga. Binga. Je sais pas s'il y a la version espagnole du jeu.
portugaise, espagnole, América Latina. Ah, je sens que ça va être trop bien. Je pense qu'on va entendre des merdas et tout. Par contre, on va plus rien comprendre du tout. On ne verra pas grand chose. Ah, il trouvera bien où on est. Symbole bizarre. Ça veut certainement dire maison. Elle est où ma maison? Ah, on peut monter à deux là-dessus? Ah ouais. Oh là! Dinga, boys, jammers have to go. Officer. Viva Libertà! Vous l'attaquerez pas casual. Je crois que vous pouvez envoyer plus de gars parce que ça me manque un peu. Hein. Et putain, tout marche à partir de petits trucs comme ça là. Désolé casual, y a pas assez d'ennemis. Hein. Et ouais, l'alcool. La 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 la. Gotta flip the switch on the amplifier. Je crois qu'il y a un hélico si tu veux. Je te l'envoie. Tout marche à partir d'interrupteurs des années 20, quoi. Putain, je veux bien que vous soyez communiste, mais à un moment, faites des efforts, quoi. Ah bon? Quelle raison? Ouais, c'est vraiment du matériel communiste des années 20. Hein. Igweme. Igweme, ça doit certainement vouloir dire suis-moi. Vas-y, je te suis. Non, parce que je parle à toi. Enjoy the moment, Picho.
dicho? ¡Viva libertad! Tu veux qu'on aille pêcher? Dale, attaque! Tu veux qu'on attaque qui? Les méchants? Tu peux attaquer tous les soldats que tu veux, hein. Machete! Ah, là, il y a un hélico qui ne devrait pas tarder. Oh. Bah, c'est quoi qui m'a fait mal? Grazie! Ah, c'est bien, il pilote aussi bien que moi. C'est un bon chien. Oh. Il faudrait, c'est une base avec une alarme. Oh, faut suivre Kaz. Je crois qu'on va les détruire dans un truc aérien. Kazuo a décidé qu'on partait en mode caca. C'est-à-dire qu'on va aller chercher du caca. Toi aussi, t'as mis ton pantalon de cours. Ouais. On va le remettre en français, parce que je comprends rien en fait ce qui est écrit. Ah ouais, c'est moi, t'inquiète pas. Pas t'inquiéter. Oh, un tank. Bon, il me reste plus que deux grenades. Hein. Pas question que je m'approche. Allez, c'est parti. Tout dans la finesse.
Oh, t'arrêtes de me donner des ordres maintenant. Je suis un bac à elle libre, moi. Je suis une femme libérée. Ramasse du plutonium pur. Je le mets dans mon slip blindé. Vous allez voir, on va faire des trucs. Attendez, faut que je le remette en anglais. Parce que... Enfin, en français. Enfin... Opzione. Sonido. Est-ce que je vous ai déjà parlé de tout mon amour pour l'espagnol? Bonjour. Bonjour. Je suis même pas obligé de monter dans la tour, ça marche quand même. Ah non! Les troupes d'élite! Comment on va faire avec les troupes d'élite? Pourquoi j'arrive plus à monter? Ah. Oh, les troupes d'élite! Ouh, les méchants! On est légende! Bon, d'accord, ça se voit pas beaucoup, mais. Si, si, je vous jure. Fuego. Comment ça des renforts? Il peut pas y avoir des renforts, j'ai désactivé l'alarme. Foutu matériel communiste des années 20. Bon alors, qu'est-ce que vous avez gardé de beau pour mon slip? Des balles, sympa. Des médocs. Oh! Attention, Kaz, il y a des troupes qui arrivent. Ouais. You got something for me? The military turned the old Dulce sugar mill into a vivido plant. See if you can throw a wrench in the works. Thank you. What did you find for me? Attention, Casio! Ouais, qu'il y a des méchants qui arrivent. Oh, bon, on attend encore à qu'ils arrivent, hein. Mais... Non, c'est une gentille. En tout cas, je vois avec plaisir que tu as garé le temps. Non, je voulais pas le conduire, moi. Alors, moi, je me mets à la mitrailleuse. Ça, c'est Kazuo qui fait tout le travail. Comment ça, je suis un fainéant? Quasiment sûr qu'il y a une panthère, toi, là-haut. La 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 la
La la la la la la la la la. J'ai plus les balles. J'ai quoi comme... Bonjour. Ah. Fallait savoir s'il allait courir plus vite que nous. Mais... Il a perdu. C'est le problème avec Azio. Voilà. On lui dit faut aller là, bah du coup il va là, voilà. Ah mais tête dure, mais je vous le dis. Moi. Cet homme n'a aucune limite. Après il va falloir réparer le tank. On va essayer de le libérer, ouais. C'est ma priorité numéro 1. Oh non, ils ont appelé des renforts. C'est bon, j'ai eu la télé. On est sauvé. Ah bah si des soldados arrivent. Ça va, on va dans une meilleure position. D'accord. Moi j'aime pas mal coucher, mais après, des fois debout contre un mur comme ça, c'est cool. Plus physique. Où sont les méchants? Ils sont très méchants. Comment ça, ils nous ont perdus? On est littéralement au milieu de la base en train de les attendre. Casuo, tu vas me faire le plaisir de tirer plus souvent en l'air. Mais visiblement, ils ont perdu notre trace au milieu de la forêt. Je propose qu'on mette le feu à toute l'île. Codépendance. Ah bah ça a l'air bien. Nice ferro. Sorry. Oui. Il y a une monnaie spéciale en fait quand tu joues à deux. C'est ça la monnaie d'art. Bon, elle est où cette cache secrète là?
de l'autre côté et le trésor est de l'autre côté. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà, maintenant Casio il veut le bateau. De toute façon, il suffit que je tire dessus et Casio il fait ah non, c'est le mien, c'est le mien. Communiste. Un problème? Attention à ce que tu fais, hein. C'est pas parce que t'as le point rouge que faut faire une bêtise, hein. Ouais. Voilà, j'ai le cassé, poignet. Moi, je pense qu'on devrait prendre l'hélicoptère le plus classe de la planète. Ça, c'est le mien. T'as qu'à prendre le tien. J'attends. Putain, merde, il a eu le temps de monter ou quoi? Il est où? Putain, il a eu le temps de monter. Bon, il a marqué quoi comme piste? Bah rien, forcément. Allez! On est des fous. T'inquiète, je suis pas sûr que t'aies tout compris au principe de base anti-aérienne. Je crois que je suis pas le seul à avoir eu cette brillante idée. Chier. Je me croyais brillant. Alors que lui, il a directement atterri dedans. Direct. Pas 5 secondes d'attente. Le nucléaire, il est par là. Pas encore trouvé tout à fait où, mais... Ils ont où les méchants? Ou si tu les as pas déjà tous tués, quand même. Ok. Aéroport international. Ah ouais, si tu veux, mais c'est quand même nul. Il ne reste plus qu'à aller là-bas. Hein. Ah attends, pour aller là-bas, on peut s'arrêter et faire une embuscade. C'est pas loin, c'est à 300 mètres. Normalement, notre oiseau il s'est écrasé dans le coin, non?
Il est où le pigeon? Ok. Je crois qu'on aura perdu notre hélico définitivement. C'est un peu triste. Je demande une minute de silence pour penser à lui. That's going to go bad unless those guerrillas get some support. That's going to go bad unless those guerrillas get some support. Okay, careful, Danny. What? Look at the plane. Fana! Salaude! Sumo! Je crois que le mec vient de se suicider quand même. Cadio, il est où en train d'y ramasser ou en train de temps que je le fasse? Un des deux, quoi. Oh oui, il est pas une... Bon. Un peu de casio hein, si on finit pas Far Cry ce soir. Oui. Ouais ben. Je sais qu'il faut descendre. C'est pas drôle. J'ai déjà fait. Je vais aller ramasser le coffre. Il faut aller tuer le canon. That's my dog. Le
comme on n'a pas d'hélico, bah on va te faire faire tout le tour. Bon, elle est où? Elle est où la mine? Bon. On va peut-être la découvrir à force de tomber. Aïe, l'ergonomie dans ton cul. Change de région 12 fois et vois 12 fois le même message. Oh mais Kaz, il a le sac pour tirer à travers les murs. Je connais pas celui-là. C'est pas moi, c'est Casio. Ah ouais, il s'en va comme ça, lui. Ah mais d'accord. Il se fout dans un mur et il s'en barre. Voilà, voilà. Il se barre comme une pute. Et en plus il va même pas m'attendre, je suis sûr. Il est trop loin. À fond, chauffeur. Pas trop vite avec ce bateau. Il y avait pas le modèle au-dessus, Lana. Non. Bon. On va voir si on peut pas en piquer un autre. Hein. Au moins pour pas ressembler à des pêcheurs coréens, quoi. Je sais pas moi. C'est le communisme, mais on peut avoir un peu de classe. La classe est en option. Ouais, lancez des grenades dessus, allez-y les gars. Faites-vous plaisir. Surtout, n'hésitez pas. C'est la faute de Casio, c'est lui qui a foutu le bordel. J'ai des preuves, tout a été enregistré sur le microprocesseur. Air support.
Ah bah bon. Maintenant il s'écrase avant qu'on tire dessus. Oh oui, c'est un bon chien. Thank you, Guerrilla. You got it. You got it. Il y a un hélico, Kaz. Kaz, ils nous ont offert un hélico. Ils sont gentils quand même. Je regarde, il est rouge, mon préféré. Ah, faut qu'on attaque ça. Il y a encore plein de trucs à attaquer. Enfin non, il n'y a plus beaucoup de trucs, mais... Il reste encore un ou deux. Et oui, nous sommes sur l'hélico Casio. Aujourd'hui, nous allons visiter les terres du Nord. Signaler un banc de trous du cul. Casio va les pacifier. Parce qu'il fallait pacifier. Non, faut libérer les gentils. Hop. Qu'est-ce qu'il faisait pendant que Kaz trimait? Je doutais. Hein. Ça servait à quoi? À rien, il a tué le dernier monsieur en premier. J'ai pas eu le temps de finir de looter. J'ai trop marre. Guerrillera. Danny, have another target for you. It's an anti-aircraft sight. Marking it on your map. Didn't they teach you not to do that? Nicely done. You're the best, Danny. Thanks. Du coup, faut que je lui reparle pour avoir le site, c'est ça? Danny, found another piece of the army's anti-aircraft network, marking the cannon on your map. Thank you. Ah ouais, il était juste là. Ah bah heureusement qu'il nous l'a indiqué, hein, pour un peu on l'aurait loupé. Thank you.
Allez, gros bisous, Kaz. What did you find for me? Là, je vais aller attaquer. Put it down. Now. Attaquer le canon. Et du coup, si t'en faut d'autres pour avoir des trophées, tu me dis. On les fera quand tu veux. Je vais pas tarder à arrêter moi aussi, ça fait 2 heures. Tu as dit que j'allais me calmer la semaine. Trouver petit à petit le rythme d'une vie normale. Je vais aller acheter des vitamines aussi. Je crois que je suis sur un champ de mine. Au moins un champ de tir. Ça a toujours l'air d'être une bonne idée de se mettre là. Yo, what up, cuz? You're Yaren, right? Dude, okay. Bro, we got this. How's it fit? Good? Good. Yes! Okay! Stick on my ass and don't you dare let me get out of frame! Let's fucking go! Coño. Description book.
Oh, oh, that was the dopest shit in the history of human existence, bro! Oh. When do you get the word out about Libertad? I should upload it. It's what he would want. Enjoy all the views, bro. Un live. Sinon le live, il reste en bas. Boom boom, over here. On va chercher cette caisse et après j'arrête pour ce soir. Dog. Now, what do we have here? What on fait pour rentrer dans le bunker? Love.
close and too dangerous. What did you find for me? On va arrêter de farmer les souris au fusil à pompe, peut-être. Le lapin, c'est mieux. Get used to you. Don't tell me you don't know. Cause I know. En tout cas, le petit moment avec Kazuo, on a couru ensemble tout nu dans la prairie. C'est vraiment cool. Je vois que c'est jamais arrivé, mais ça aurait pu. Smart dog. Good dog. Now what do we have here? Oh, il joue. C'est pas quand même. Get used to you. Back in life. Move!
here, guerrillera. What do you know? The FND Elite Forces base is where they train the best of the best of Castillo's soldiers. Taking that out for Libertad would be a devastating blow to the regime. Thanks a lot. Ah ouais, puis il y a 5 mètres. Bah on la fera demain. Écoute. Allez, bonne note.